Allez, on est de retour au stade Nouma Dehlé. La deuxième rencontre de John à suivre en live streaming sur la chaîne YouTube FCF TV, la S Kounié, qui accueille, ou en tout cas qui reçoit la S Magenta en grand stade de Nouméa. Donc une seconde rencontre à suivre pour le compte de cette huitième journée ensemble. John Kounié qui a fait une bonne entame de championnat et qui pour l'instant est quatrième virtuellement, qui pourrait, eh bien. En tout cas, ils vont tenter de viser cette troisième victoire en trois matchs. Ouais, c'est la surprise de ce début de saison. Donc un des petits poussés, donc un promu, qui vient et qui s'impose et qui vient se mettre entre les leaders et leur dire bah, faut faire attention à nous aussi. Et puis l'AS Magenta, donc qui vous l'avez vu, un effectif très largement renouvelé, qui donc va enchaîner son second match de la saison. Ils étaient exempts la semaine dernière, ils avaient commencé par un nul face à Bakau. Les joueurs d'Alain Moisan qui vont aussi là livrer un match test hein, pour la suite de leur saison. Là, c'est pareil, hein. Eux, ils sont en train de se chercher, ils sont en train de se reconstruire, se construire une équipe plutôt, et puis avec de nouveaux joueurs qui arrivent de l'Olympique, des cadres comme les Nemia ou encore Martin Macam ou le gardien Stevie Rouet, mais ça va être difficile cette année pour Alain Moisan. On va regarder les résultats actuels que l'on a, hein, qui nous sont parvenus donc avec cette victoire importante de Bakau 2 buts à 0 face au Racing Pindimier tout à l'heure du côté du Stade Yoshida, et le classement qui suit donc avec Tiga, qui on l'a vu donc s'est imposé 5 buts à 1 et qui passe donc provisoirement en tête du classement. On attend forcément les autres résultats. Donc on vous les fera parvenir dès qu'on les aura durant ce direct, ce classement où eh bien, Tiga Sport est à 10 points désormais, qui a enchaîné, donc vous l'avez vu, ce succès 5 buts à 1 face à Dumbéa. Et puis donc on le voit, la S Kounié, qui descend donc actuellement donc quatrième, la SK, qui peut tenter de rester sur le podium. Ils vont tenter, en tout cas les joueurs de François-Louis Marie, de rester sur le podium en gagnant. La S Magenta va passer aux compositions des équipes des deux formations avec la S Kounié, une équipe coachée par François-Louis Marie, un Guyanais donc, qui est arrivé sur le territoire et qui a rentré dans le projet de l'AS Kounié, Guyanais d'origine, donc avec du 4-4-2 mis en place pour l'ASK, avec dans les buts Julien Doué-Perret, la défense à 4, Kouaté, Vincent Vaquier le capitaine, Wemama et Cottereux à droite, deux récupérateurs, Louis-Daniel Doué-Perret et Théophile Néhouéré, Roberto Néhouéré et Philippe Vakoumé qui vont animer les couloirs et qui joueront aussi ces rôles de piston, John, sur les côtés devant Jean-Paul Aoudra et Marvin Vandégou. Voilà donc pour la composition, le 11 titulaire de l'AS Kounié. Du côté de l'AS Magenta, le coach Alain Moisan qui repart sur les mêmes bases. Ce 4-2-3-1 que l'on avait vu du côté de Koné face à la JS. Steve Hero est dans les buts. La Toupie, Peluchon, Macam et Djiwine Edouard sont les quatre défenseurs, cette ligne de 4 mise en place par Alain Moisan. Waya et Wetewea à la récupération. Nemia, pas de problème, pas de surprise, est en meneur de jeu. Et devant, on retrouve De Villers, Foubert et le capitaine essentiel de cette équipe, Kevin Nemia, buteur donc de l'ASM. Voilà donc pour les compositions des deux formations et l'entrée des joueurs qui sont face à nous, face au public du stade Nouma Dehlé. On rappelle que nous sommes en tribune exceptionnellement pour des défaillances, on va dire, techniques au niveau du stade. Et que ça souffle le vent. Il y a du vent. Et qu'il commence à y avoir une petite fraîcheur. Ça, c'est bien pour les joueurs en tout cas. Alors, comparé à la chaleur ouais, des semaines dernières. Quoi penser, John, de ces deux compositions d'équipe? On va découvrir cette équipe de Kounié, mais aussi cette formation de Magenta qu'on a vu une fois seulement. Voilà, où on voit qu'on repart sur le même système. Et Maxime Peluchon qui passe dans l'axe central avec Edouard Djewiné, le jeune, qui prendra donc ce couloir droit. Droit. Donc une formation de 4-3-3 avec un Nemia qui va jouer le rôle de numéro 10, de milieu offensif. Et de l'autre côté, 4-4-2 qu'on va découvrir. Alors le trio arbitral avec Johnny Reboul, assisté de Claude Chevalier et Réginald Camouille. On les a déjà vus à l'œuvre, un bon trio la semaine dernière du côté de Stadio Yoshida de Koné. Les deux capitaines, Vincent Vaquier, ancien joueur de l'AS Mondor,
Et puis Kevin Demir, j'en parlais. Vincent Vaquier, très très bon joueur. Donc voilà, un des meilleurs défenseurs du pays, qui avait fait le bonheur, fut un temps, de l'AS Mondor. L'AS Mondor qui est en déplacement actuellement du côté de l'IFU face à Juan Ono, un match aussi intéressant. Voilà le trio arbitral. Bah, et puis les deux coachs. C'est intéressant l'arrivée côté de l'AS Cougnet de cet entraîneur guyanais. Donc j'en avais discuté ce matin avec Kenji Vandégou, hein, qui est donc l'entraîneur adjoint et connu forcément du football calédonien, John. François Louis-Marie, donc ce coach, ancien sélectionneur de la Guyane. Donc il a eu sous ses ordres par exemple des joueurs comme Darcheville, Malouda. Il est arrivé en septembre au sein de la direction Jeunesse et Sport, responsable des formations. Il a le diplôme BEF et B2. Donc là on m'a dit BEF du coup parce que ça a changé hein, les intitulés. Voilà, c'est un renfort de poids dans le projet mis en place par Cougnet. Donc on va voir hein, si c'est arrivé bénéfique. En tout cas pour l'instant elle l'est. Elle l'est parce que deux victoires en deux matchs. A très bien entamé son championnat. On va voir maintenant s'il confirme les joueurs de l'île des Pins. On vous salue à l'île des Pins. Vous qui nous suivez sur le web. Et qui donc allez encourager votre équipe. On salue également les supporters et supportrices de l'AS Magenta. Club emblématique, le plus titré de l'histoire du football calédonien, mais qui aura certainement un peu plus de mal cette saison. Comme l'a confié Alain Moisan, il s'en est pas caché. Un effectif largement modifié. Donc des joueurs qui vont devoir. Devoir trouver leur repère, alors qu'un score du côté de l'IFU, 3 buts à 1 pour Juan Ono face à Mondor, on en parlait juste un instant. C'est pas fini, mais c'est mal engagé pour les Mondoriens. Et Juan Ono qui confirme. Attention à la récupération, belle récupération de balle avec l'AS Cougnet et son numéro 9, Marvin Vandégou. On voit déjà qu'il va très vite. Joueur très vif là sur ses premiers appuis, là on le voit d'entrée. Il s'en veut un peu ce qu'il aurait pu décaler Jean-Paul. Oui, il était esselé à gauche. Donc Jean-Paul Aouda sur son côté. Et donc John, un coach quand même expérimenté qui arrive dans ce projet ASK. Bienvenue à lui. Bienvenue. Ce championnat calédonien. Deux coachs expérimentés de renom aujourd'hui avec Alain Moisan d'un côté. Ah, c'est bien ça pour étouffer le. Étouffer le football cagou. Le football cagou. Allez, Némia, bien fait. Non. Trop attendu. Kevin Némia qui sera donc un homme de base, un homme clé de ce renouveau de l'ASM. Voilà, objectif annoncer le maintien. Après, voilà, c'est assez rare pour être souligné du côté de Magenta qui tous les ans joue normalement. La coupe, le championnat et la Ligue des Champions. Championnat. Voilà, hein, des fois, il s'agit de cycles dans les clubs aussi. Magenta saura rebondir. Et puis de toute façon, ils ont peut-être une belle saison qui les attend également. Et le premier corner, coup de pied de coin. Décidément, on aura vu des chasubles. C'est avec les gardiens. Sur les maillots des gardiens, bien tiré. Ouh, oh. Ouh là, il y a une double bicyclette tentée, c'est marrant. Ils étaient synchronisés. Synchro. La toupie est. De Villers. De Villers. Nicolas De Villers et. Non, c'est le 13, donc Nicolas De Villers, semble-t-il. Le 22. Ah oui, c'était là. Ouais. Ballon arrêté, il n'a pas été arrêté au bon endroit. Ça va repartir avec Martin Macam.
Allez, long ballon dans la surface. Il est pris, Vincent Vaquier. Ça revient. Dégagement de Vincent Coité. La toupie au duel. Enema qui repasse par Martin Macam. On l'a vu excellent face à la JS, Martin Macam. Et on voit, ça va être le patron hein, dans cette défense. Ouais. Cette saison, c'est un joueur. Malheureusement, il était parti à l'essai du côté de la JO Auxerre. Il s'était blessé il y a de ça 2 ans, il me semble. Ouais, non, c'est pas facile, hein, c'est pas facile d'aller faire des essais dans d'autres clubs. Faut choisir la bonne période, le bon moment. Et si c'est en fin de saison, c'est le moment où les joueurs ils se réveillent là-bas pour essayer de rester au centre de formation, donc ils donnent tout. Ouais, exactement. De retour de blessure ou je sais pas. Et nous, quand on y va, bah, on est on sort de l'été. Alain Moisan à l'image, lui aussi, cette carrière professionnelle et ce titre de champion avec l'AS Monaco, il a connu l'équipe de France, voilà, monsieur. Déjà arrivé là, c'est beaucoup. Moisan, oui. Juste oui. Le fait de rentrer dans un centre de formation, c'est déjà dur, parce que c'est des... Là, on voit des joueurs, on voit 22 acteurs sur le terrain, mais en France, il y en a des milliers et des milliers qui sont au-dessus de au-dessus de cette... je trouve pas le mot. Les capacités qu'ils ont en France, c'est multiplié par ça, vient de partout. C'est, quand je dis la France, c'est la France qui accueille tous les pays du monde. On a des Africains, on a des Américains du Sud, du Nord, ça arrive du Canada, on a des gens qui arrivent de l'Est. La concurrence elle est rude, surtout des joueurs de l'Est qui donnent tout, les Africains qui donnent tout. Donc nous on arrive d'ici avec un petit paysage idyllique du paradis de la Calédonie, donc on s'entraîne tranquille et puis on arrive là-bas, on est surpris, on se blesse. Ah, et puis le choc climatique également dans cet hiver, comme tu le disais. Tout ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare ici avant. Psychologiquement, techniquement, il y en a des millions qui peuvent faire pareil là. Tactiquement, sur tout ça aussi, une bonne lecture tactique du jeu et puis de l'envie. Voilà, tout le cocktail pour réussir, John. Ah, bah, voilà, hein. Si tout le monde y arrivait, on serait tous professionnels. C'est clair. Hop là, on a reçu cette action, ballon. Dégagement. Allez, on va se remettre dans le match. La frappe, ça traîne aux abords de la surface de Villers. Petit crochet, ça s'est bien fait. Avec Nemia. Sur son pied gauche, quel toucher de balle, dommage. Il n'a pas pu redresser. Il aurait pu refaire. Trajectoire de son centre. Sortir, il y avait deux joueurs qui sont venus lui donner la main. La Toupie et De Villers. Cougnier qui cherche systématiquement le jeu lent sur ces deux attaquants là. Jeu très direct pour l'instant. Ouais, c'est un jeu direct et après faut savoir aussi poser et alterner. On le voit encore là, c'est. Faut alterner les phases construites, ouais. Phases rapides, transition rapide, jeu court, bien, jeu lent, bien. Faut. Voilà, tout ça. Après alors encore, hein, on en est qu'au troisième match de la saison. Et ses repères et de bonnes combinaisons entre joueurs pour notamment Majata apprendre à se connaître aussi sur le terrain. Ça aussi. C'est souvent des histoires de doublons duo sur le terrain entre par exemple latéral gauche et le milieu offensif devant lui. Voilà, c'est des binômes. Des binômes, voilà, cherchez le terme, merci John. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de communication et de. Du ressenti aussi. Voilà, c'est des complicités qu'il faut avoir avec le joueur qui se trouve à côté de lui
se trouve. Attention, du 3 contre 5, contre 6. Alberto Neuwirri a oublié le ballon. Le bon retour de Jérémy Latoupi. Non, c'était Maxime Peluchon, pardon. Bien relancé sur De Villers. Il faut qu'il refasse. Bien fait ça. Petit ballon de Némia, c'est pas sorti. Et bon ballon maintenant pour Kevin Némia, la couverture. Bien fait de la part de Wemama. Et la prise de balle impeccable de Wepere. Alors, il y a une recrue du côté de la Escounier qui est titulaire aujourd'hui, c'est Jean-Paul Aoudra. Arrivé du RC Point-Dimier. Numéro 10 là, donc en attaque, duo d'attaque avec Marvin Vendégout, qui devrait être intéressant pour Cougnier, ce duo d'attaque. Voilà, bon ballon, la belle couverture du jeune Djewine. Vakoumé, et Martin Macam qui est impeccable. Ah, une faute. Ça part. Bien joué. Ce bon petit ballon avec oh, dommage. Ah, c'est vrai que ça l'emmène mal, Foubert. Nicolas Foubert, là, qui. Ouais. Mauvaise prise de balle. Dommage. Ce ballon. Hop, il y a une petite faute. Sortie de but. Donc, on rappelle que l'AS Mondor donc, était mené 3 buts à 1. Nono qui est sur sa deuxième victoire, troisième. Ouais, ils ont enchaîné. Ils ont battu une belle victoire le week-end dernier, 3-0, mais ils avaient été défaits en ouverture. D'accord, deux victoires, une défaite. Exactement, John. Ils avaient perdu contre Cougnier d'ailleurs. Oh, attention! Mauvaise prise de balle, corner, là. Steve Hiroé. Sur le bord de terrain là, juste en bas de l'écran, Kenji Vendégout, qui est donc coach adjoint côté de nouveau venu François Louis-Marie. Là, mettre trop tard. Là, il y a de la... On va faire là pour ce centre de Marvin Vendégout. Intéressant, je le disais, ce Marvin Vendégout. Beaucoup d'appels de balles, John. J'oublie pas non plus Luca Douépéré, hein, qui est adjoint côté de la Escounier. En tout cas, oui, je le disais, intéressante cette attaque. Ouais, beaucoup d'activité. Ouais, exactement. Il va falloir se méfier du côté des jaunes. L'ASM. Corner donc pour les Cougnier. Très bien tiré. Roy qui s'est. Roy qui avait mal cherché la trajectoire. Il faut se dégager. Voilà qui est fait. Il faut faire monter ce bloc, John. Allez, bah, ça sort bien. C'est bien. En tout cas, ça sort bien du côté de Magenta. Bon ballon. Très bon ballon. Superbe contrôle. Neuwirri. Berto Neuwirri. Ça a leur difficulté. C'est le jeu au sol pour l'instant à Cougnier. Il y a du rythme quand même dans cette dans ce premier quart d'heure, ouais, enfin, ces premières minutes, pardon. Ouais, c'est 10 premières minutes. Et on rappelle aussi donc c'est ce beau succès. 2-0 de Bako, important succès pour la JS face à Point-Dimier. Qui avait fait un match nul contre Magenta d'ailleurs, un partout. Sur la première journée.
On y était d'ailleurs. Ouais. Et on rappelle donc que les matchs en live sont à suivre sur cette page Facebook Super League et YouTube FCF TV. On remercie nos partenaires Corail, Shell, OPTR et SEMA qui nous permettent également d'avoir une Super League plus visible. Voilà. Depuis les mercredis, retrouvez aussi les résumés de matchs. Des rencontres diffusées en live. Ah, faut qu'il change. Je sais pas pourquoi il insiste sur le même côté. Sur le même côté, Martin Macam. Ouais, c'est vrai qu'on se répète peut-être dans l'importance d'aérer le jeu, mais au football, c'est ce qui permet de faire bouger le bloc aussi adverse. Créer des espaces, créer des décalages. Espaces. Ouais, les décalages. Et puis... Ah, sorti. Il y a un peu plus de monde pour ce match que... Voilà le stade qui est bien rempli. C'est une bonne chose hein, de voir le... Depuis le... Ouais. On était à Coney la semaine dernière, John. Le stade était monde. Rempli. Enfin, j'ai tribune, en tout cas. Ça a manqué le football, visiblement. Et c'est ouais. Une très bonne chose avec ce confinement là où les matchs du dimanche, du samedi, pardon, nous manquaient. Bah, du dimanche aussi, mais même s'il y en a moins. Allez, bon ballon là dans cette surface de réparation, bien fait Vaquier. Et on voit ça va très très vite sur les appuis du côté de la escale. On a vu Louis Daniel d'opérer. On se projette rapidement vers l'avant. Jeu direct, comme on le disait, des transitions rapides qui pourront être la base du jeu de Cougnier. De Cougnier. S'ils accompagnent derrière, et... c'est ce que c'est très bien faire Yengen d'ailleurs. Voilà le stade, on voit le allez, public présent, les petits supporters avec leur maillot de Neymar et de Barcelone. Elles sont juste à côté de nous. C'est toujours ce vent, ouais. Qui souffle. Attention. Ah, il va vite, il va aller percuter. Il a dribblé sur le joueur. Ouais, voilà, il s'est encastré sur Wemama, c'est là où il faut feinter. Fixer, feinter et puis. Décider. Match équilibré pour l'instant. Longue touche. Oh, c'est bien fait. Ouais, super, bien joué les Nemia. Pour Nemia. Nemia pour Kevin Nemia. Un Nemia pour un autre. Ah, ça va être le binôme. On l'a vu fort, sur le premier côté match. On a vu sur le premier match où Kevin avait buté. Et Nemia avait testé alors. Pour l'instant qu'il y a de la rigueur quand même tactique du côté des jaunes. Certainement qu'Alain Moisan a insisté beaucoup là-dessus. Je crois que c'est ce qu'il faut. Perdu en qualité peut-être sur certains joueurs à certains départs, mais. Maintenant il faut travailler sur la qualité des déplacements. Exactement. Bon ballon. Soit synchronisé, qu'ils soient ensemble. Que les espaces soient pas très importants entre les lignes. Tirato. Et il va vite. Hein. Très intéressant ce Mervin Vandégout. Les deux ils restent en attaque, hein, les deux attaquants là, en pointe là, Aouja et puis Vandégout. Ils descendent rarement défendre. Encore plus devant d'un coup là. Bonne rafale. Ouais, en plus il est froid. La semaine prochaine, on va sortir le manteau. Ouais, j'espère qu'on sera réparé cette histoire de. Toi, on n'avait pas ce problème à Coney. Merci les gens du Nord, on nous regarde. Voilà, on les salue. Vous avez bien pris soin de nous. On résiste, on est en t-shirt, on voit le public. Ils ont sorti les vestes hein, quand même. Ouais, parce que dans le sud, c'est. Pour ce deuxième match. Deuxième match. Allez, retour au jeu avec un premier quart d'heure bientôt atteint.
Toujours pas de but. Toujours pas de but, c'est toujours timide, il n'y a pas eu de situation vraiment dangereuse pour les deux gardiens. Oh là là! Là, il s'est pris un. Ah ben pourquoi? Ah oui, mais il a. Alors, normalement, il devrait rendre le ballon à l'équipe qui était en possession. Quand le jeu. Quand l'arbitre désormais influe sur le Influe sur jeu, le jeu, ouais. Il rend le il n'y a ballon. plus d'entre-deux. Ça n'existe plus. Et voilà, donc il va le rendre logiquement à Cunier. Là, il aurait pu laisser l'avantage. Monsieur Reboul, un des meilleurs arbitres ici au pays. Voilà. Ça va Parce que pas. je connais mes lois du jeu. J'ai bien travaillé. C'est important. Eh oui, mais quand on est joueur, des fois, C'est important on d'avoir. devrait se recycler parce qu'en plus les lois du jeu évoluent. Donc un petit clin d'œil à nos arbitres qui nous suivent. Nous suivent et qui Exactement. étaient en formation d'ailleurs ce matin, côté du CISE. Et puis l'arbitrage de tout à l'heure, ça a été, hein, ça a été un bon match au niveau de l'arbitrage Ouais, aussi. Hein. exactement, Donc. avec Eric Pougin et ses assistants. Il y a beaucoup de travail effectué. Ouais, on aura l'occasion de les suivre avec Caledo Foot Ça, dans ça un serait intéressant, reportage. ouais. Et notamment des formations visio en ligne qui se font désormais au pays, donc par internet, tout est faisable. Tout est bien plus facile avec des formations mises en place par la FIFA et l'OFC pour nos arbitres calédoniens et dans les autres fédérations également. Donc bon courage à vous tous. Ah, s'ils sont pas là, y a pas de match. Les arbitres. Exactement. Et on les encourage, nos arbitres. Calédonie. Petite faute pas évidente avec un carton à la clé derrière, mais. Jusque-là, il y a toujours eu un bon état d'esprit sur les terrains, que ce soit avec les joueurs, avec les arbitres, en tout cas ceux qu'on a commentés. Franc lointain. Je crois qu'il va là, il va essayer. Et il peut la tenter avec le vent, hein. Ça peut partir vite. Et on connaît la Qualité de frappe qualité de. de frappe de Kevin Lemia. Mur a d'ailleurs à 3, mis en place par Julien Doué-Perret. C'est un petit ballon piqué, combinaison. Attention, ça va repartir. Bien fait là, Néwéré. Quel joueur, vous verrez, ça c'est bien fait et ça repart de l'autre côté avec Peluchon, Oh. heureusement. Fait un bon retour. Vakoumé là sur le côté gauche qui obtient la touche. On sent que ça peut aller vraiment vite hein, du côté de Du Cougnier. côté de Cougnier, ça. Ça cavale. C'est ça là. Porté vers l'avant et. Talent brut aussi, c'est bien. Ouais. Non, c'est intéressant de. Puis un staff étoffé qui va leur permettre aussi de travailler un peu plus C'est tactiquement, ça. posément. Voilà, tout cet espace au milieu, là, faut qu'il y en ait un qui vienne se mettre ici et là après. Récupérer le ballon, faire la transmission. Proposer des solutions, Voilà. orienter. Pas que partir dans l'espace, décrocher. Allez, il faut que le rythme ait tombé hein, depuis 10 minutes, ça c'est sûr. On avait vu 5 bonnes premières minutes et Ouais. puis on est un peu tombé. Au niveau de l'intensité avec Makam, on trouve Peluchon. Ça se déplace bien hein, du côté de Cougnier. Envoya. Sent bien en place sa coulisse. On voit Martin Makam qui donne de la voix, le tempo un peu de cette équipe là depuis l'arrière. Avec, une faute signalée par Monsieur Reboul. Faute de Devillers. Voilà, un moins en. Donne les consignes. Kenji Vandégout, coach adjoint donc.
Bien joué, Steve Roué, impeccable. Et ça repart de l'autre côté. Et la touche à nouveau. Il ne devrait pas tarder à allumer les lumières parce que... Ça commence à s'assombrir. Ça s'assombrit et se rafraîchit. Obligé de mettre la veste très prochainement. C'est vraiment ça, s'est tombé d'un coup là le froid. Ah ouais, là, ça petite va. Fraîcheur, bah, on rentre dans la période un peu fraîche comme vous dites ici. La période glaciaire. Allez, on va essayer de se réchauffer sur le terrain. Pour l'instant, pas beaucoup d'action. Là. Le match était vraiment bien parti. Puis... Mais c'est bien, c'est qu'il y a des déplacements intéressants. Ouais. Tactiquement, à Cougny, ils sont en place. Maintenant, il faut trouver Magenta aussi, le ça... rythme pour casser les lignes, voilà, casser les le bloc. Exactement. Multiplier les courses. Cela fait à la Cavani, à courir dans tous les sens et toujours donner des solutions pour son partenaire. Jouer, se déplacer intelligemment aussi, avec à nouveau un coup franc lointain. Là, c'est... Directement dans le mur, mal tiré, Peluchon bien fait, et ça joue propre avec la toupie. Némia, la frappe, ouh, ça avait coupé au deuxième poteau, dommage. Nicolas Foubert. Là c'est direct devant. Et attention, voilà. Attention. Allez, deux attaquants. On est du 1 contre 1. Derrière là sur les contre-attaques. Oh, faut refaire. Pas avoir peur de refaire. Voilà. Sortir, partir de l'autre côté. Pas directement, mais en essayant de combiner. Mia. Voilà. C'est bien fait, le jeune Royard enchaîne la frappe, c'est contré. Et il est encore présent, il n'y avait pas grand chose. Il n'y a pas eu faute. Mais il était mieux placé en que nous. En tout cas, l'arbitre. Et ça joue vite, ça voilà encore. Encore là, c'est Cougné, mais après il faut qu'ils accompagnent. Là, il y a un gros écart entre les lignes. Ça passe. Et super, voilà. Martin Macam. Parce que c'est sûr, s'ils perdent le ballon, c'est récupéré derrière. Il n'y a pas de hors-jeu avec Némia, si. Je suis pas sûr, il n'était pas aligné l'arbitre. Hein. Un peu loin l'arbitre. Il a suivi le ballon, il n'a pas suivi les joueurs. Alors, un bon résultat pour l'AS Lossy. Victoire 2-0 du côté de La Roche à Marais. Et donc l'Horizon Passau qui enchaîne une deuxième défaite. Et Lossy qui se donne de l'air. C'est quand même étonnant de la part de l'Horizon Passau avec la qualité de joueur qu'ils ont. Attention. Oui, attention, la frappe, c'est contré. Donc un succès important pour le groupe et on les félicite, Patrick Drawilo et les siens. Et puis on souhaite bon courage aussi à l'Horizon Passau. Et ce ballon qui traîne dans la surface, c'est récupéré par Aoudra. Jean-Paul Aoudra, ça passe. Et un bon ballon vers Vakoumé. Attention. Attention, ça va très vite, ça va très très vite. Ça, il l'a enlevé, Bon, sur ce début de match, il confirme ce qu'on avait vu à Koné. Martin Macam, on va devenir certainement le patron de cette défense. Magenta. Ah, il y avait la concurrence ces dernières saisons pour lui en défense. Et là, cette année, il va pouvoir exploser. On l'espère en tout cas. Pour lui, il est jaune. Allez, Peluchon. Long ballon.
plaquer, qui se fait pas surprendre. Elle est puissante, mais ballon qui revient. Ouh, il y a de l'espace avec Demia. Demia, le ballon pour l'ouverture du score. Non, oh, on le raté, raté de Nicolas Foubert. Ah non, non, il l'a loupé. Incroyable, il était pas en jeu. Avec ce petit ballon subtilement fait de la part de Némia. Et Nicolas Foubert qui rate le cadre. Ah, ça, faut pas louper ça. Il était à combien là? 8 mètres? Ah oui, là. Ouais, il était à 6 mètres même. 6-7 mètres, tu vois. Faudrait pas s'en mordre les doigts. Bah bon, il y a encore du temps. Ah, il faut passer à autre chose de toute façon dans la tête pour Nicolas Foubert. Mais grosse action pour. L'AS Magenta. Ça passe pour. Non, bien défendu pour Kouaté. Ballon vers Roberto Newere. Ouais, la toupie. Non, il est. Némia. Kevin Némia, il peut se retourner avec son pied gauche maintenant. Ça passe, c'est bien fait. Kevin Némia. Et Vincent Vaquier, encore lui. Oula, par contre, c'est un peu précipité. Seconde chance. Ça se bat. Oula, c'est un peu la panique à bord. Et Jackie Wetewea qui rate sa frappe. Magenta qui. Jackie Wetewea là. De plus en plus dangereux. Je le vois physiquement, il est en forme, il a perdu. Je sens qu'il s'est bien préparé. Jackie Wetewea. Qui a gagné sa place dans le 11 cette saison. Et Magenta qui pousse hein, depuis quelques minutes. Kevin Némia. Ballon dans cette surface de réparation, on se dégage comme on peut. Attention parce que ça va vite devant aussi. Ça ressort vite quand même les joueurs de Cougnier. Proche. La toupie. Enéoré, superbe. Joueur aussi assez technique, Roberto. Roberto Waya, Martin Macam, on renverse le jeu. Attention, ils sont pris souvent à l'opposé, les joueurs de Cougnier. Némia. Il va à chaque fois trouver Kevin Némia alors qu'il aurait pu trouver à gauche de Villers. C'est ça qu'il faut, il faut qu'ils arrivent à trouver là, ce juste milieu, cette confiance de son partenaire. Là, je sais pas, peut-être que c'est un joueur qui arrive de l'Olympique, ils ne sont pas encore habitués à jouer ensemble, trouver des automatismes qu'il faut que après le jeu, il est normal de jouer avec ces joueurs. Oui, de toujours chercher celui avec qui on a évolué. Il y a de l'espace, Wetewea, allez, faut y aller. Fix, c'est bien fait dans l'axe. Ouh, heureusement, quel retour. C'est la deuxième de Vincent Kouaté. Foubert. Là, c'était bien fait de la part de Jackie Wetewea. Et on repart attention. De l'autre côté avec un relais. En dégoût, c'est bas, mais ça ne suffit pas. Tophine Newere. C'est trop direct ce jeu. Ça, il faut savoir alterner. Peut-être que quand on est dans sa partie adverse, de jouer lent, ça semble assez facile. Mais quand on est dans la partie adverse, dans la partie où évolue offensivement Cougnier, pour trouver des ballons lents, comme ça, il va falloir. Être plus précis techniquement. Allez, Steve Héroé qui allonge plein axe.
La tête vers Neuwerré, bien fait, la toupie. Il lance Villers, belle couverture de Vaquier. En puissance, il passera pas. Ouais. Très très puissant. C'est un rock ce Vincent Vaquier. Pour l'instant, impeccable le défenseur de Cougné. Vincent Vaquier. Pour l'instant. Allez, le coup franc. Franc intéressant. Pour Waya. Ah, Némérez qui va la tenter direct cette fois-ci. Oui, voilà. Où c'est dévié. Il l'avait senti là-bas à droite. Djewiné. Et corner. Coup de pied de coin. Tout heureux de retrouver ce ballon. Ah, ça, c'est un très bon ballon. Ça. Allez. Et le contre. Et le contre. Allez, ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Une bonne opportunité et le bon retour de Waya. Faut siffler. Et un long ballon cette fois-ci pour Cougné. 4 contre 10. Exploité dans la surface. 4 contre 10. Ah voilà. Foubert. Tranquillement. Pour Mama qui a trouvé Coité. Il doit opérer. Et voilà, on allume les lumières du côté du stade Noumadélé. Oula. Mama. Ah, Cougné qui a eu aussi son époque glorieuse, John, 3 titres de champion de Calédonie, une coupe de Calédonie également, 7 finales. Oui, il y a eu de bons joueurs à Cougné, en tout cas de bons défenseurs. Deux Coupes de France, notamment des joueurs connus hein, du côté de Cougné. Des premiers, attention, ça passe. Oh. Et il ne branche pas, monsieur Boul. Sortie de but. Un des premiers joueurs calédoniens à être parti hein, jouer en France. C'est au Paris. C'est, ouais, Guillaume Ticouré. Guillaume Ticouré. En hey. 1961, ça remonte. C'est vieux ça. Et on salue forcément. Ouais, c'est Antoine. Des familles de footballeurs, footballeuses à Cougné. Bah, je salue Gabriel Vacoumé qui joue la Tahiti du côté de Dragon, qui est l'une de ces familles de footballeurs connues du côté de. Allez, Vacoumé, il y a eu de bons joueurs, de bons défenseurs. Son papa, c'est son grand-père, donc voilà la relève toujours assurée du côté de football l'île des Pins. Allez, Némia. Il y a main là, non? Ça joue. Attention. Et il y a de l'espace. Allez, on a le temps d'ajuster son centre. Peut-être pour Nicolas Foubert. Il se remet sur son pied gauche. Il a perdu de la vitesse. Il a perdu l'avance qu'il avait. Ouais. Sur le côté là-bas. Et ça repart. Encore en contre.
Oula, ça se... La bataille est rude au milieu. Et on a passé la demi-heure de jeu. Toujours 0-0. Ça, c'est une bonne opération pour Cougny. Hein. Bon ballon. Hop là, un coup franc. Là, ça se rapproche. Ça, c'est intéressant. Ça se rapproche des 16-50. Et là, on voit Roberto Nehuere qui va prendre le ballon. Voilà. Qui devrait essayer de se charger de ce coup franc, visiblement. Il y a le vent. Face au vent, le ballon monte. Hein. À peu près aux 18 mètres. Mur placé. On rappelle que le joueur offensif ne peut plus se placer dans le mur. Il doit être à 1 mètre. Mais là, il n'y a personne de toute façon. Tibiroué. On voit l'importance du mur sur le match de PSG. Hein, il ne faut pas bouger, ça passe entre les joueurs. C'est... Alors on va suivre ce coup franc. Attention, Nehuére. Ça va dessus. Le ballon il monte frappé. 4 buts à 1 du côté de Lifou. Belle victoire pour Juanono. Dur début pour l'AS Mondor. Belle victoire pour Juanono qui enchaîne deux victoires d'affilée. Ah, deux gros succès. On rappelle que Bako aussi s'est imposé 2-0. Sa pointe d'Imier. Puis on va suivre forcément Yann Gensport face à Wedge qui est l'affiche du jour. Donc c'est en cours. Le coup d'envoi est à 16h. On vous tiendra informé de tout ça. Toujours un score vierge ici. Hein, Nouma Dele avec. Cougnier qui tient tête à Magenta, cette nouvelle formation de Magenta. D'Alain Moison. Un petit bonjour à Kevin Coma qui nous suit depuis la métropole. Coucou. C'est un coach ici. Notamment de Il est préparateur physique là, en ce moment en France. D'un club ? Non, tu sais pas. Ah bah il était parti dans l'outre-mer. L'outre-mer, Kevin. Il était coach là-bas. Préparateur mental également de haut niveau. Allez, Vincent Vaquier, allongé, petite feinte, bien fait, faut pas se rater en tout cas. C'est à la sortie, faut savoir ce qu'on peut faire avec. Faute signalée par l'assistant. Juanono eh bien, est pleinement maintenant dans son championnat après une défaite en entame face à Cougny. Il marque 7 buts en 2 matchs. Eh oui, marque les esprits. Et c'est pas contre des petites équipes, hein. c'est des équipes qui sont dans le championnat. Attention ce ballon, ouais. La raison c'est ça, à 2 esselés, c'est. Il faut se connaître parfaitement. Luchon. Nemia tourne sur lui-même, c'est bien fait. Ah non, faut laisser avantage. Allez, il va jouer vite. Le ballon était arrêté, c'est bon. Attention avec Nemia. La frappe de Nemia. Ouh, Julien Dewey-Péry, ouais. Ça fait peur. Donc ce corner, Nemia, bien tiré, c'était pratiquement rentrant un peu comme à l'habitude de le faire Angel Di Maria. Je fais que d'en parler aujourd'hui de Di Maria, mais c'est vrai qu'il est impressionnant sur les corners rentrants.
Ouais. Et la patte gauche de Nemea, il peut le faire. Hein. On l'a vu là, il a cherché pratiquement direct. Un second poteau, cette fois-ci, oh, il était seul, Waya. Attention au marquage. J'ai pas voulu prendre sa pied gauche. Ils sont en place les joueurs d'Alain Moisan. Ça joue bien. Ça joue bien, ça combine bien, ça. Second poteau. Après, C'est pas fini. Sur les Ça derniers va être gestes, un peu. c'était. Ouais, il manque la dernière passe juste. Dernière passe. Le dernier geste. Geste qui va faire la différence. Poser le ballon sur la tête, sur le pied d'un joueur. Eh ben, c'est c'est la débutant. mi-temps qui vient donc d'être sifflé par Monsieur Reboul. On va donc se quitter le temps de la pause et puis on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Allez, on est de retour au Stade Noumadélé. La seconde mi-temps à venir entre Cougnet et Magenta. John, pour l'instant, pas de but. 0-0. Un match équilibré. Match équilibré, on n'a pas. Peut-être au niveau des occasions, avantage pour Magenta. Et on après, va dans le jeu. L'évolution. Ouais. Dans le jeu, on a vu un match assez équilibré. Bataille tactique et deux équipes assez bien en place finalement défensivement. Pour le moment en tout cas, donc on va suivre ça, donc l'évolution de cette seconde mi-temps. Et le public, vous le voyez, qui revient progressivement en tribune. Malgré le froid qui s'est installé. Moi j'ai sorti la veste, je suis désolé John, là je t'ai... Oh non, moi je l'ai laissé chez moi. Donc voilà, on va suivre forcément cette seconde mi-temps avec beaucoup d'attention puisque pour l'instant eh bien, pas de vainqueur et puis c'est un match important qui pourrait lancer la saison pour leur saison, que ce soit pour l'une équipe comme l'autre. Puisque donc Cougnet, on le rappelle, est à 2 victoires en 2 matchs et pourrait donc enchaîner sur un 3e succès et donc regarder vers le haut. Exactement. Et puis Magenta qui restait sur un match nul pourrait aussi pourrait faire démarrer sa saison correctement. En tout cas, il y a un changement qui va s'opérer au niveau de Magenta. On à l'entrée de John Camizac. Voilà. À la place de on ne sait pas, il est sorti à la mi-temps. Nicolas Foubert, il me semble. Peut-être, oui. Ouais. Poste pour poste, il va prendre le couloir droit. John Camizac, c'est reparti donc. Ah, c'est bloc médian pour l'équipe de Cougnet. Ça c'est intéressant, comme ça ça s'éparpille pas. Ça sort pas comme des fous devant. Ça reste équilibré, aspect défensif. Où ça coulisse. Bien fait là, avec très intéressant ce Jean-Paul Aoudra, recrue du Racing Point-Dimier. Oui. Chercher un jeu à 3. Ouais, une petite faute sous les yeux de l'arbitre. Confrère intéressant. Très intéressant. Ouais, trois hommes au ballon et un gaucher. Néoré qu'on voit là. Ouais. Donc c'est un peu masqué les intentions par rapport au gardien. Un mur assez consistant côté de Steve Héroé et. Wetewea qui. Vincent Coité. Allez, pourquoi pas avoir l'ouverture du score pour Cougnet. Et c'est complètement au-dessus. Oh, c'est l'élan très court. Il n'y a pas de secret, hein, c'est en travaillant. On ne se lève pas un jour et puis on est tireur de coups francs. Steve Héroé, il allonge. Vaquier et on recherche et on trouve à nouveau Marvin Vendégou. Vendégou prend un relais et on repasse par derrière avec Coité. Allez, on va se replonger tranquillement dans cette période là, le rythme on espère va monter un peu. Il va falloir aller chercher cette victoire dans les deux camps. Ça serait important là, d'aller chercher un succès pour le mental côté Magenta notamment.
score l'année dernière, il jouait les titres. Cette année, il joue le maintien, comme quoi ça peut changer rapidement dans le football. Il y a Lamoison hein, qui a plus de 10 ans dans la Maison Jaune, qui a un nouveau challenge à relever. Et c'est là aussi on va voir on va voir la qualité de l'entraîneur. Parce que depuis quelques années, il a récupéré les meilleurs éléments de chaque club. Et là, cette année, c'est l'effet inverse. C'est les meilleurs joueurs sont partis. Il y a une grosse partie des joueurs de Magenta sont partis. Et là, il leur reste. Oula, frappe bien fait. Oui, c'est une autre. Un autre challenge, c'est un autre challenge disais, pour mais, lui, ouais. Mais ils ont déjà vécu une année de transition il y a de ça 5-6 ans. Mais pas aussi énorme. Hein. Pas aussi ouais, énorme. Là, c'est vrai que ça a là, été c'est vraiment, un raz-de-marée de départ. C'est 9 dixièmes de la. 8 dixièmes ah bah, de on la. On comptait 10 titulaires hein, qui sont partis. 10 titulaires qui sont partis, c'est beaucoup. Enfin, 10 quand titulaires même. Bah, assez fréquents l'an passé. Hein. On pense à Jean-Christ Wadjoka, etc. Qu'on a vu on a Nathanael Mahen. Didier Simon, etc. Didier Simon. Et voilà, ils ont tourné la page et puis ils vont maintenant se reconstruire. Ils font une première mi-temps en tout cas sur ce match. On va dire où ils étaient bien en place. Et on voit que ça peut aussi faire mal devant avec les Némiens notamment. C'est bien qu'ils aient commencé par les promus, ça leur permet aussi de. Bon bah pour Alain Moisan hein, de jauger exactement. Son équipe avant d'affronter les gros. C'est pour ça que prendre des points aussi, c'est important. Ah bah oui, ils en ont déjà perdu. Mais Kouni n'est pas un promu. Non mais Bako. Voilà, Bako. Le premier match, ouais, c'est ouais. Bako. Ils ont fait 1-1. Ils étaient encore en... Le Racing, Juanono et Bako. Non, pardon, Dombea. Dombea. C'est pas le Racing. Allez. Frappe contrée. Vendégou qui se balade un peu partout sur le front de l'attaque et ça. Il arrive à se rendre assez disponible. Kenji Vendégou à l'image. Réajustement là. Sur le placement qu'il indiquait à ses joueurs. Allez. Un corner à suivre. Pas débloquer la situation sur un corner, c'est le ballon qui revient. Alors, la frappe, et il avait de tout Louis le temps, Daniel Doué-Péré, tout le temps, c'est de... pas assez couché sur le ballon, pas assez couché. Il a vu aucun défenseur sortir sur lui. On rappelle que Yengen affronte actuellement Wedge. On va essayer d'avoir l'évolution du score. Et il y avait 3-0 en début de deuxième mi-temps, voilà, à l'instant, pour Yengen Sport. Deux buts d'Antoine Reiné, un but de Miguel Cayara. Ah, on l'a vu, hein, c'est assez costaud cette année, Yengen. Ouais, pour moi, Yengen, cette année, ça va être difficile d'aller leur enlever le titre. Mais on n'a pas encore vu non plus certaines équipes, notamment Nejihu. Nejihu, mais bon, de ce qu'on a vu de Yengen, c'est... Beaucoup d'internationaux, des joueurs qui depuis 2-3 ans jouent ensemble, qui ont tout connu, y compris la Coupe du Monde au Qatar. Donc, ils se connaissent bien. Voilà, après, il faut voir hein, l'évolution de tout ça. Il y a des jeunes aussi qui montent. Non, vraiment, j'étais assez content de voir Yengen à ce niveau le week-end dernier. Là, ouais, face à Passo, notamment. Ils ont après, réussi faudrait les voir. À faire passer la déception de l'an passé. Ouais, ouais carrément. Maintenant, il va falloir aller voir contre Tigaspor voilà, ou Nejihu pour voir ce que ça va donner. Et ça, Tigaspor aussi, ça va permettre aux joueurs de Pierre Wajoka de se mesurer un peu à une équipe qui tourne en ce moment. Allez, dégagement. Juste devant coach Moisan justement.
Cette faute. Attention. Eh oui, attention, eh oui. C'est. Il s'était fait oublier. Puis il va vite. Hein. Et ils vont vite les deux. Ah oui, oh oui, oh oui, oh, dommage. Oh, je pensais c'est pas fini, c'est pas fini. À l'intérieur là. Plus vite à droite. Ah, ce ça, ballon, ça... parce qu'il avait fait un bel appel au rendez-vous. Il veut insister sur le côté où il fallait aérer le jeu. Ils sont tout seuls là-bas sur la droite, sur le côté droit. Frappe. Ils apprennent les joueurs à. Bah, aérer le jeu des fois, le jeu il arrive du côté gauche, bah, partir sur le côté droit. Là, Louis Daniel Doué-Péré, il a récupéré le ballon, il est reparti s'enfermer sur le côté gauche. Alors que à droite, là-bas, il était esselé sans milieu droit. Genre, c'était Néo Héré qui était tout seul. Et corner à suivre avec Marvin Vendégout. Ça va être rentrant, il lève les deux bras, donc ça va être soit premier ou deuxième poteau. Le deuxième poteau qui est hop choisi. Voilà. Voilà. C'est la deuxième fois qu'il passe à côté de sa sortie, Steve Auré. Faire très attention. Et ça repart de l'autre côté avec Kevin Nemia. Kevin Nemia, ça passe en vitesse. Kevin Nemia, Kevin Nemia qui fixe. Il prend un relais. Ou bien fait l'orientation de jeu de Nemia. Nemia avec peut-être, pourquoi pas, l'ouverture du score. Cette il aurait dû la frapper d'entrée, ah oui, il a contrôlé. Il aurait dû faire confiance. On a vu l'intelligence de jeu des deux Nemia encore des une fois Nemia, et ben Nemia, Nemia, Nemia qui avait réussi à décaler comme Isaac. C'est que son ballon n'était pas assez appuyé. Il aurait pu utiliser la force de cette passe pour accentuer encore la puissance de frappe. Et le corner, la tête, attention, il faut se dégager du côté de Cougnier. Et voilà qui est fait. On recherche à nouveau Aoudra. Ils en font des courses les deux, hein, Aoudra et Vendégout. Super ballon. Intervention de Hiroé. La tête de Théophile Niwere. Ça revient vers Kamizak. Prend un relais, bien fait. Mais lui. Pourquoi il lui met pas. Avec Peluchon, Waya. Intéressant aussi, je le disais, ce petit Roberto Waya. Il oriente bien le jeu. Kamizak, ça passe pour Kamizak, mais là, attention. Ouais, c'est pareil. Cette grosse faute. Il avait son espace sur le côté droit, un adversaire sur le côté gauche. Il a décidé de contrôler sur l'adversaire. Quand il a orienté son contrôle vers l'adversaire, bah. Ça a resserré les distances pour le défenseur de pouvoir récupérer le ballon et c'est ce qui s'est passé. Et il a commis une faute. Alors, c'est juste une petite info pratique parce qu'on avait quelques commentaires. Les sous-titres qui apparaissent, c'est pas de notre faute, mais il faut paramétrer juste sur la vidéo, désactiver les sous-titres. Voilà. D'accord. On a eu quelques remontées, mais en fait sur la vidéo, vous avez le petit paramètre en haut à droite. Et vous allez dans les faut l'annuler. Sous-titres et vous désactivez tout simplement. Désactiver. Puis en plus, ça traduit n'importe quoi. Alors déjà qu'on dit des fois n'importe quoi. Enfin voilà. Allez, retour au jeu avec Vincent Vaquier qui. Enfin, ce qui est fou, c'est que Vincent Vaquier, on fait faute sur lui, il sort et du coup, il peut plus rentrer sur le terrain avant le prochain jeu. Mais en attendant, Magenta avait une action de. C'est vrai que c'est un peu dangereuse. Bah oui, bah il est, c'est l'axe.
C'est le défenseur central, il est plus là. Je comprends pas trop. Allez. On aimerait bien avoir quand même des buts dans cette rencontre. En tout cas, c'est intéressant de regarder des équipes comme ça où. C'est bien tiré ça. Très tendu. Oh là 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 là. Attention au marquage encore. Hop là. Faut sortir de là, là, côté de la SK. Non, on rappelle qu'on se retrouvera dès la semaine prochaine, ici même, depuis le stade Nouma Dele. Samedi 8 mai. C'est la fête de Saint-Georges férié. C'est quoi? C'est l'armistice. C'est un truc de la Seconde Guerre mondiale, ça. Voilà, armistice. Ben, on ne sera pas férié pour le football, en tout cas. Donc on sera avec vous, avec deux rencontres en live à suivre. Intéressant aussi, on va... De nouvelles équipes que l'on va découvrir cette saison, en tout cas, pour les live matchs, puisque à 14h, l'AS Lossy recevra l'AS Mondor. Et puis à 16h30, Magenta, Juanono, qui sera un match également à ne pas rater. À ne pas rater, surtout Juanono est sur une bonne deux matchs, 7 buts. Là. Ouais. Un but encaissé. Le ratio, il est bon. Il pourrait y avoir du monde à Nouma Dele. Et après, Mondor et Lossy qui ont besoin de points. Mondor et... qui a enchaîné deux défaites. Et Lossy qui... Qui s'est donné un bon bol d'air quand même. Ouh, il est passé Kamizak. Il a évité un gros tac là. C'était limite. Et Kounier qui essaye... ils sont pas mal. Ça Majata commence à s'étirer là. Là, Kounier commence à s'étirer au niveau des lignes. Mais attention. Attention aux deux flèches devant. Attention. Attention. Ouh là là, et les publics de supporters de Kounier qui y ont cru. Ils font un bon match, Martin Macam et Peluche. Ouais. Ils sont intéressants dans, dans leur binôme qu'ils forment justement derrière là. Côté ASM. Et Nemia Nemia. Là, premier. Oui, bien fait. Super. En première attention, le bon retour là de Côtereux, bien fait. Après, il faut qu'ils reviennent plus vite, les joueurs. Oui, Kamisa. Ah, il y a une grosse faute, là. Ouh, le coup franc. Intéressant. Et Nemia Nemia, vous allez voir. Ou Kevin Nemia, ou l'un ou l'autre. Là, ça va être Kevin. Là, il faut frapper fort, là. Et on joue. Ah non, je... On a passé l'heure de jeu. On est toujours dans les tribunes de Nouma Dele. Là, le vent est tombé. Un tout petit peu. Oui, Kevin Nemia. John, pour peut-être cette ouverture du score. Là, on sent là, côté ouvert. Qu'il va la tirer côté fort, ouvert en Kevin force. Nemia, allez. Kevin Nemia en force. C'est pas assez couché. Pas assez couché. Le vent est de face. Le vent de face. Il faut se coucher encore plus. Ça commence, c'est vrai, à s'étirer là du côté de Kounier, John. Mais après, pour Magenta, c'est que les deux attaquants de Kounier, ils restent collés au défenseur Axio. C'est ça qui va être difficile pour Magenta, mais sinon, c'est clair que les lignes, elles commencent à s'étirer petit à petit du côté des rouges et blancs. Magenta qui a pris un peu le jeu le dessus, en tout cas dans le jeu. Le jeu à son compte. Kamizak tente le grand pont. Ah, c'est un peu long. Il aurait pu. Et on sent deux équipes qui ont envie d'aller chercher cette victoire. En tout cas, ça c'est un peu plus brouillon en seconde période côté Kounier, mais on va dire défensivement, mais en tout cas. Sans cette volonté, avertissement d'ailleurs, il y en a un peu trop de volonté sur le coup puisqu'il vient de se faire avertir Philippe Vakoumé. Mais on voit Kounier qui lâche rien et qui veut y aller. Qui veut y aller. Enchaîner, on disait, cette troisième victoire et se mettre sur
Très très bonne dynamique avec, on le rappelle, ses deux succès en deux matchs pour l'instant côté Cougnier. Et puis Magenta qui a besoin de points également, forcément. Ils veulent aussi lancer leur saison pleinement avec le premier succès qu'ils aimeraient bien forcément aller chercher aujourd'hui sur cette huitième journée de Super League. Allez, ça va repartir, plus de peur que de mal. Et on joue depuis 64 minutes. 5 minutes à peu près. Enfin, c'est une demi-heure. Il reste une grosse demi-heure. Difficile à dire qui sortira vainqueur de ce duel. S'il y a un vainqueur. Ouais, s'il y a un vainqueur. Et on voit. Même à l'image de Kenji là sur le attention. Bord terrain qui se précipite. Ils sentent qu'aussi il y a devant leurs deux flèches, ils peuvent vraiment aller faire mal à cette équipe de Magenta, même si pour l'instant. C'est bien joué aussi de laisser les deux attaquants coller aux défenseurs axiaux, puis dire aux huit autres vous défendez. Puis dès que vous avez le ballon, après derrière il faut accompagner. Il faut soutenir les attaquants à moins que. Ah. L'entrée de Clément Guinaudot, sortie de Roberto Waya. Bon joueur, hein, ce Waya. Ça, il est blessé. Je sais pas. Pas pourquoi il est sorti. Il est intéressant dans ses orientations. Ouais, il a distribué pas mal de ballons et puis là, il sort. En fait, il est. Bon, en tout cas, une fin de match. Suspense, c'est intéressant. J'espère qu'il va augmenter encore un peu plus le niveau. Oui. Bon, Yengen qui est bien parti en tout cas pour enchaîner trois victoires. Donc on le disait, il menait face à Wedge. Il frappe un gros coup aussi et ils envoient un message assez clair. Pour l'instant, parce que le match n'est pas fini. Non, mais après l'année dernière, ils ont enchaîné. Après les qualifs, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde des clubs champions, ils ont enchaîné sur le championnat. Et après, il y a eu le Covid-19. Ouais. Après, c'est pour tout le monde pareil, mais pour eux, il y a eu cette petite baisse de régime. Baisse de régime parce que c'était l'après-Qatar aussi. L'après-Qatar, c'est ce que je parle de ça, exactement. L'après-Qatar. Et on les voit revenir, attention. Hein. Là, ils vont pas faire de cadeaux cette année. Hein, donc. Il va falloir mettre son casque tous les matchs contre Yengen. Oh là là, il est rentré. Ouh, il a failli. Premier ballon touché, ça peut y faire au sang. Oh, marquer son entrée. Ouais. Guinaudot. Le 14 de Johan Cruyff. Ouais, fallait. Trouver le cadre. Malheureusement, ça. Cette belle frappe, ça fuit un peu. Malheureusement pour l'ASM. Ça va vite aussi de l'autre côté là-bas. Côté gauche de Magenta. Qui c'est le 15 C'est Wetewa, Jackie qui fait un bon match. Jackie Wetewa. Je le disais, il a vraiment fondu Jackie et. Revenu vraiment à un très bon niveau. Il faisait partie de l'équipe Beachhawker, la sélection Beachhawker, il y a 2 ans. Et là, il s'est installé dans ce 11 titulaire pour cette année. À chaque fois, quand même, Martin Makam, il est. Et là. Il sent le jeu, il couvre. Il couvre bien. Coupe les trajectoires adverses. Enfin, un gros match encore. Makam. Écoute, heureux à la touche. Voilà. Ouais,
Attention, attention. Ce ballon. Avant dégoût. Attention. Et ça traîne dans la surface. Attention. Ouh là, c'est un cafouillage. Et on sent que ce match peut basculer à tout moment. Des deux côtés. Quoi. Ouais, des deux côtés. Hein. C'est bien malin celui qui pourra nous dire là qui va pouvoir sortir vainqueur à l'issue de cette huitième journée et ce dernier match de la journée de Super League. Bien fait. Là, attention, du 3 contre 3. 3 contre 3, 4 contre 3. Ouh, le grand pont, Kevin Nemia. Ah, il y a une supériorité deuxième, numérique, Kevin Nemia. Faut qu'il bon, recule, ballon second, il faut se parler. Mais bon, tu vois, c'est ça, le 15, il s'est rapproché de son défenseur, il aurait dû s'écarter pour donner de la profondeur après pour attaquer ce ballon. Et Kevin Nemia, il aurait cherché plus loin son centre, essayer de, au lieu de jouer juste sur lui, il tombe sur le défenseur. Ouais, il faut arriver à lancer dans le bon tempo. Voilà. Il crée de l'espace. Là, le 15, c'est... Wetewer. Non, de Magenta. Oui, j'ai Jackie. Jackie Wetewer. Ah, ben non, c'est pas le 15. Le 13, pardon. C'est De Villers. De Villers. C'est De Villers. De Villers, il est rentré alors qu'il fallait qu'il s'écarte. Oh, super ça, ballon, ça. Où il est tout seul. Oh, il aurait seul. Dû lui dire derrière. Il aurait dû lui dire qu'il est seul. Et attention, le contre. Attention, du 3 contre 2 derrière. Et ça va vite. Et ça va très très vite du côté de l'ASK. C'est mal donné. Il était tout seul. Ah, c'était l'autre côté. C'est ça que je disais tout à l'heure. Ils oublient des fois de regarder. La prise d'information. Du sale. Il faut lever la tête. Juste ça, de savoir où sont mes partenaires, comment ils vont se déplacer potentiellement. Il est où l'espace? Il faut prendre en compte tous dommage, les paramètres. Dommage. Après, c'est vrai que vu d'en haut, nous, c'est plus facile. C'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. C'est trop facile des tribunes. Hein. Mais c'est vrai que là, c'est dommage qu'il y a... Oh là là. Ouh, le petit extérieur de gauche. Là, c'est clair. C'est clair que nous, on a une vue d'ensemble. Hein. C'est plus facile pour nous de regarder. Et plus on descend, moins le champ de vision, plus le champ de vision est réduit. Donc, on a moins de vision sur un ensemble. Donc on est coach, on est sur le terrain, on est sur le banc et après sur le terrain c'est pire encore. Hein. Ouais, faut. Elle se rétrécit de plus en plus. C'est vrai qu'au football il y a très peu de temps de. Faut pas tergiverser quoi. Non. La réflexion ça doit aller vite, la prise de décision aussi, tu en parlais tout à l'heure John, mais plus le niveau augmente, plus la prise d'information et la prise de décision est importante. Voilà. Et la prise d'information elle doit se faire avant. Dans le jeu sans ballon, c'est la clé. D'ailleurs, M. Arsène Wenger parlait justement de cette décennie où les footballeurs de très haut niveau ont été formatés sur l'athlétisation. On est arrivé au bout de ce processus et on devrait passer, c'est lui qui le disait, sur du neurologique, c'est-à-dire sur le cerveau, sur adapter les joueurs à la décision rapide, à la prise d'information rapide. Sûr. C'est très intéressant. Oui, oui, carrément. On voit aujourd'hui de plus en plus, enfin depuis 10 ans maintenant, les psychologues qui sont aux côtés des joueurs, des accompagnements individuels au niveau des voilà, joueurs. Il y a des préparateurs mentaux. Des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, des préparateurs hygiène de vie, on a tout maintenant. Attention, Vendégout, et à chaque fois le ça feu. Chauffe, hein. Mais moi j'aime bien ce duo là. Vendégout, je trouve très percutant. Ce qui est intéressant dans le coaching, c'est qu'il laisse ses deux attaquants devant. Ouais. Ils viennent rarement défendre. Ça fait que quand il y a des actions chaudes pour Magenta, quand ils perdent le ballon, bam, direct devant, il y a les deux attaquants qui font du 2 contre 2. Presque. Voilà. Il y a de l'espace là, dans la. Ouh, c'est décalé sur le côté, le ballon qui. Arrivé jusqu'à justement à Jean-Paul Laoudra. Bonne recrue, hein, vraiment, c'est Laoudra. Mais on est content de voir la Escougnée vraiment qui est intéressante. Qui ont trouvé un système de jeu propre à eux. Voilà. Voilà, ils défendent, là, ils sont. Attention, attention, voilà encore, il y a des espaces, beaucoup trop d'espace avec le centre en retrait, c'est bien fait, Kamizak, la parade, hors-jeu. Mais c'est ça la difficulté en fait, c'est que les 8 là qui sont. Là, là. Parce que là on le voit, hein, on le voit pas à l'écran, mais sur le terrain, les deux attaquants ils sont avec les défenseurs de Magenta, tout le reste on va défendre. Donc c'est
un autre coaching, mais il peut être gagnant si c'est bien fait, quoi. Par contre, il faut qu'ils fassent attention, Cougnier, là, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont un peu c'est ça, à c'est la limite depuis il... quelques minutes sur les... Défensivement. Défensivement, là. Parce qu'ils laissent leurs deux attaquants là-haut et les huit derrière, et ben, il faut qu'ils... Les latéraux qui ferment moins. Il y a des espaces, hein, forcément, quand il y en a deux de moins. Ouais. Puis il y a la fatigue aussi. La fatigue, il y a plein de choses. On joue depuis... 74e minute. Voilà, après il y a un boulevard, on le voit là. On le voit complètement à gauche là-bas. Voilà. Dernier quart d'heure qui devrait être mouvementé. Et Vincent Valquier, on voit, il donne de la voix. Il... Ouais, c'est lui le patron, cette défense, capitaine. Beaucoup d'expérience. Lui était aussi international, calédonien, fut un temps. Ballon qui traîne dans la surface. Hop, voilà. Coup de pied de coin. Corner. Ouais, il a pris la décision, il n'a pas suivi son arbitre assistant, monsieur Reboul. Bien coupé cette corner de nouveau. Trajectoire. Ah, yes. Moi, je pense qu'il y a les corner. Mais bon, Guidodo qui ne dit rien. C'est une bonne opération quand même pour Cougnier. Hein. Bah oui, effectivement, un nul serait aussi un bon score, mais on voit deux équipes, je le disais, John, qui veulent et voilà, gagner. C'est hein. Reparti. On joue pas le match nul et on revoit encore ces deux attaquants qui restent très haut. Très haut. Ah, il y a une faute. Et du coup, ils bousculent ce. Mais quelque part, c'est compréhensible ce raisonnement de tactique. C'est de dire, en fait, les joueurs adverses, ils vont attaquer à 6. À chaque fois. Si on reste à 8 derrière, on met 2 devant, peut-être qu'on peut défendre. On a toujours en supériorité numérique. Après, ça demande énormément de courses qu'ils font, courses, les deux là, ouais. Dans les Vendée-Goût, donc, après, c'est ça. C'est, ils sont isolés, ils vont les cramer, il faut être. Intéressant. Mais il y a du banc, il n'y a pour l'instant pas de changement, il me semble, du côté de. Et il est là. Petit ballon, impeccable, voilà. Stevie Roué, la relance rapide, ça s'est bien fait. Vers Nemia. Et il est passé, Kevin Nemia. Ouais, il commence à fatiguer. Là, c'est pareil, il revient dans l'axe. Avec ton gardien, vous allez de l'autre côté. Et la fin de match qui se rapproche tout doucement. Toujours pas de but ici depuis le stade Nouma Dele. Le vent qui est tombé. Enfin, John, parce que c'est vrai que ça a été... Il, ah, il faisait vent, froid cet après-midi. Vent de la mer là. Mais on rappelle les scores, le petit pont. Avec cette victoire, 5 buts à 1 de Tigas. Attention, et attention. Encore, une fois, mais heureusement encore. Heureusement que Macam est. Macam est toujours là. Et ça repart pour Magenta. Attention, ça va repartir. On rappelle cette belle victoire 4-1 de Roanono face à Mondor aussi. La victoire de l'Ossi 2-0 à Marais. Voilà. Il fallait mieux y aller. Et puis cette victoire 2-0 importante de Bako face à Point-Dimier dans le derby nordiste. Il est intéressant ce 14 de Magenta. Guinodo. Guinodo. Joue simple. On joue simple. On a vu tout à l'heure sur l'action où il prend la frappe directe. Voilà. Pourquoi ? Vaquier fait un gros match encore. Mais
mais on sent que ça c'est sur, un peu sur un fil depuis 10 minutes cette ça défense. Peut basculer d'un côté comme de l'autre. Vincent Vaquier, il en peut plus, il est mort. Il a pris un coup en plus. Il faut arrêter le jeu, monsieur. Tout comme, Kevin Demia aussi est fatigué. Il y a eu un duel énorme là entre les deux. Il faut que peut-être monsieur Rebaud, voilà, qui va couper le jeu, non ? Fallait pas qu'il se relève. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur Rebaud ? Voilà, il faut sortir le ballon. Ouais, je pense qu'il l'avait pas vu. Monsieur Rebaud, voilà, qui coupe le jeu. Il y aurait eu 4-2 pour Yen Gen. Je vais quand même essayer d'avoir confirmation du score. Donc on me confirme 4-2 pour Yen Gen, hein, qui se sont peut-être fait un peu peur. Face à Wetch, une bonne équipe de Wetch qui... Malheureusement, on revient à un défait de son déplacement au nord. On rappelle qu'il y aura 26 journées cette saison, donc c'est long. Avec 13 équipes. Une descente directe. Attention, beau ballon ça. Bon ballon pour Nemia. Nemia dans... bien défendu. Bien il défendu. La prend directement. On voit, on sent la fatigue. Hein. On sent la fatigue. Alors, il retourne sur le terrain, Vincent Vaquier. Bonne opération de Yen Gen qui passe en tête pour l'instant. Et Nejiu, on le disait, est exempt, donc ouais. Pour l'instant ils sont seuls en tête. Ouais, donc je disais aussi John, donc, une descente directe, un barragiste et puis pour le haut de tableau, un champion et un vice-champion qui se qualifie pour la Ligue des Champions 2022. Avec cette année une Ligue des Champions qui devrait, dans la mesure du possible, se jouer à Fidji ou en Nouvelle-Zélande. Donc forcément, affaire à suivre dans les prochaines semaines avec toute la difficulté des transports aériens, des D14N. Avec le virus qui est toujours là. Roberto Neuere. Au deuxième poteau, la tête et l'ouverture du score. Elle est signée. Voilà. Marvin Van de Goo. Cougnier qui. Voilà. 1-0 pour la SK sur un coup. Je crois que c'est. Au second poteau, la tête. Et puis il était là, opportuniste. Contre Mandor, c'est pareil. Ils ont marqué à ce moment du match ou c'était en début de match. Je sais pas. Ah ben, en tout cas. Il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir un but. Ça va être Yen Gen Cougnier en tête. Et ouais. La surprise Cougnier qui continue sur sa belle lancée. Ouais, qui continue sur sa belle lancée. Il reste. Mais c'est pas fini. Magenta qui a le temps. Une dizaine de minutes. C'est clair qu'il faut prendre le temps. Il faut. Kevin Takamatsu qui rentre. Pas se précipiter. On peut donner de la vitesse en prenant du temps. Donc voilà. Magenta. À 10 minutes plus les arrêts de jeu environ pour revenir dans son match. Alors que c'est eux qui ont multiplié les actions. On entend les supporters de Yen Gen, de Cougnier. Eh oui, il y a du monde aujourd'hui au stade. Et puis les supporters, les supportrices de Cougnier qui là ont pu exulter. Ah bah là, la fin de match va être animée. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir de voir du monde au stade. Ouais. Ça fait plaisir de voir une équipe comme Cougnier, petite île Camille, comme Cœur vaillant qui a investi. Hein, c'est pas, ils ont été chercher un entraîneur, ils ont été se cadrer. Bon, après c'est pas fini. Hein.
Ouais, Magenta qui va maintenant pousser pour revenir au score. Aucune des deux équipes n'a démérité aujourd'hui. Hein. Mais on sentait qu'un but pouvait arriver voilà. D'un côté comme de l'autre. D'un côté maintenant, comme de l'autre. C'est Magenta donc qui court après le score. Sur un coup franc excentré, tir au second poteau. Ça a lâché dans le marquage, il s'est retrouvé complètement. Et voilà, ça va repartir encore. Voilà, là, ça. C'est ce genre d'action là. Ah, ils y mettent. Mais Pénuchon, il a bien tenu sa place quand même. Oui, ils ont. Pénuchon et Macam ont été solides derrière. Un carton jaune au passage. Sorti par Monsieur Reboul. Voilà le stade Nouma Dele. Qui devrait aussi faire le plein. Donc le week-end prochain, on sera au rendez-vous pour suivre les deux rencontres en live. L'Ossimon d'Or et Magenta Rouenono. Avec aussi les autres. Le stade Yoshida qui va accueillir Yengen Dumbea et le duel JS Bako Tigasport. Également un match à Marie puisque Passo va accueillir à l'Ice Wedge. Là encore un match attention. À suivre. On va suivre cette frappe. C'est quand même intéressant la formation qu'ils ont mis en place donc les entraîneurs de Cougné là, avec les deux attaquants qui restent très haut et très haut, sur les deux actions. Voilà. Après c'est du 1 contre 1 défensivement parce qu'il y a. On voit bien le football calédonien, ça monte beaucoup. Hein. Les latéraux, ils sont très hauts. Ça fait que les défenseurs centraux, des fois, ils se retrouvent tout seuls. Là, on le voit, hein, deux contre deux à chaque fois. Le centre, ça met le feu. Autre intervention de Stigueroué. Bien joué. Donc, calme. Ah, bien fait. Et on relance au sol. Faut pas se précipiter, même si le chrono n'est pas en leur faveur maintenant. Le temps qui défile et il va falloir aller chercher. Au moins les deux points du nul pour les joueurs d'Alain Moisan. C'est ça. Ils ont de quoi faire, hein. Ils ont eu des opportunités en seconde période. Attention aux contre-attaques. Faute. S'excuse Nemia. Ouais, c'est pas. Dans le jeu, il est motivé pour. Et un certain Nedjeu Cougné la semaine prochaine, mon cher John, du côté de Nassé. Ah bah là ça va pas être la même. Nedjeu Cougné à 15h, rendez-vous pris pour les amateurs du ballon rond du côté de l'IFU. On vous salue les îles également. Les îles Loyauté qui nous suivent chaque week-end sur le web. Long ballon. Il n'arrête pas de multiplier les courses. Défensive, offensive. Alors je pense que la semaine prochaine du coup du côté de l'IFU on devrait être aussi pas mal sur le web parce qu'entre Lossi et Rouenono qui joue ici, bah voilà c'est aussi la volonté de la fédération de pouvoir mettre tout le monde profite de voilà, exactement ceux qui ne peuvent pas venir sur la capitale ou inversement bah, puissent profiter. Alors, on peut pas filmer tous les matchs pour l'instant, hein, manque de moyens, mais on espère aussi peut-être faire un live sur les îles cette année, on verra. On a déjà fait deux dans le nord et c'était. Un Yengen Nedjeu, un Nedjeu Yengen, ça serait. Ah oui, je pense que celui-là, faudra pas le rater. Attention, c'est reparti. Ils savent, ils balancent direct devant parce qu'ils savent qu'ils ont leur. Deux flèches là. Un qui est en pointe, qui bouge pas, qui est là pour attaquer. Lui. Très très bon ce Jean-Paul. Et là, ça va repartir de l'autre côté. Allez, hors jeu. Ouais, on n'avait pas vu. Ah, on arrive bientôt à la fin de ce match. Les trois dernières minutes, temps réglementaire. Le championnat il est lent, hein. Il va falloir recadrer tout ça, réajuster. Que ce soit pour Magenta ou pour Cougné. Allez, Nemia. On va rentrer dans le. La fin du match. Temps additionnel bientôt. Bientôt.
centre, second poteau, là, dommage, il a pivoté sur lui-même, ils sont au bord de la rupture, certains joueurs de, voilà, de la Pugnier, crampe. Ça y est. Ah, oh, c'est Coité là. Il a pas bien fait son boulot, Vendégou, là, le petit Kenji, hein. Il a préparé ses joueurs mieux que ça. Hein. Là, on lui dira. On lui dira, oui, il est prof de sport, allemand, tout ça, là. Tout ce qui est préparation physique, il doit être au top. Hein. Là, c'est pas normal qu'il y ait des joueurs qui. En tout cas, félicitations à lui et son staff pour. On m'annonce 4-2 ou 4-1 pour Yen Gen. En tout cas, victoire de Yen Gen. 4 buts, c'est sûr. Doublé de Rouiné, un but de Miguel Caillard. Voilà les infos qu'on a. Donc Yen Gen, pour l'instant, est en tête avec Cougnier. Mais avec un meilleur goal average. Oui. Donc les Nordistes qui. Mais Cougnier, pour l'instant, au niveau. Pour l'encaisser combien de buts ? Pardon ? Clean sheet, là. Oui, clean sheet. Depuis les trois matchs. Ouais, ils ont encaissé un but. Ah, ils ont encaissé un but quand même. C'est contre. Non, ils ont toujours gagné 1-0, non ? Non, ils ont encaissé un but. En tout cas, on a affaire à la meilleure défense du championnat pour l'instant, ces trois matchs. Alors, ouais, ils ont le soutien de leurs supporters, c'est joli. C'est l'entrée de Paul Apicawa. En tout cas, ils ont dû enchaîner, ils ont dû encaisser un but au pire. Je ne me rappelle plus, le premier match, c'était contre. Ah oui, ils ont gagné contre Juan Ono le premier match. 2-1. Voilà. Donc un but. Un but encaissé. C'est la meilleure défense. Quand on sait que le champion de. Celui qui va être champion, c'est celui qui aura encaissé le moins de buts. La meilleure défense. Juan Ono aussi. Qui avait encaissé que 2 buts. Il y a juste un championnat actuellement où la défense c'est pas la meilleure, mais sur les derniers matchs c'est la meilleure, c'est Monaco. En France. Oui. Monaco, pas la meilleure défense, mais sur ces derniers matchs, sur 10 derniers matchs, là, je crois qu'ils ont. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Une remontada. Remontada phénoménale. Heureusement que Lille gagne, sinon ils auraient été deuxième. Si Lyon avait gagné leur match contre Lille. En tout cas, on revient à Magenta Cougnier. Ouais, car là, Cougnier, voilà. C'est fini. On est. En train de voir une très très belle opération de l'AS Cougnier alors que Magenta pour l'instant se dirige vers une première défaite dans ce championnat 2021. Ils n'auront pas démérité les hommes d'Alain Moisan, mais c'est bien Cougnier pour l'instant qui fait la différence. Et attention avec Aoudra, il faut accélérer là du côté des jaunes parce que le temps presse. Attention, ouh, le ce bon ballon. Attention, attention Kevin, attention. La frappe. Elle était gourmand. J'ai l'impression d'avoir vu la même frappe il y a 2 semaines ouais. Quand il a marqué et ouvert le score contre Bako. Ah, c'était bien joué hein, ce superbe ballon. Ah, voilà, en tout cas, ça fait plus 3 minutes dans ce match et il va siffler la fin du match et voilà. Et voilà. Bravo à Alaïs Cougnier. Bravo à, pardon, à Cougnier. J'allais dire Bako, mais Bako aussi s'est imposé aujourd'hui. L'ASK qui donc renverse l'AS Magenta. Vraiment une belle victoire pour les hommes de Kenji Vendégou et de François-Louis-Marie. Sans oublier Lucas Perret. Donc en tout cas, 4 bons points pris. Et puis Magenta donc, qui s'incline sur un petit but, John. Un but à zéro. Donc, un petit but, mais important. Un but pour signé. Marvin Vendégou à la 80e minute de jeu environ. Donc on en reste là-dessus sur cette rencontre.
Et donc Yengen qui voilà, on vous salue parce qu'on on est au cœur du public. Ah, Yengen qui gagne 4-2 aujourd'hui. On nous demande les résultats. Les scores. Une victoire de Yengen importante aussi. On va se retrouver la semaine prochaine, John, pour ici même, Yengen, au stade de Nouma Dele. Donc avec les matchs que j'annonçais tout à l'heure et qui devrait être l'Ossi Mondor et donc Juan Ono qui rendra visite ici sur la capitale. Donc un match que l'on va suivre forcément sur nos antennes. Donc ça sera le week-end prochain, le 8, en direct sur la FCF TV Web. On vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Soyez prudents sur les routes et puis on se dit à dans une semaine. Bonne fête du Muguet. Voilà, bonne fête du travail. Ciao. Du travail.